Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore pour Miniso. Ou non, je dirais que ça va encore parler de Miniso. Donc, je sais pas si vous suivez leur page Facebook. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais on a fait une vidéo, j'ai fait une vidéo avec eux. Donc, ils postent régulièrement des petits bouts de vidéos. Je vous conseille d'aller regarder, elles sont top. Et suite à ça, donc ils m'ont proposé plusieurs produits dans un sac, comme vous avez pu voir dans la miniature. Donc je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va découvrir tout ça ensemble. Ils m'ont mis, si j'arrive à tous les prendre, ils m'ont mis 4 petites figurines. Donc nous avons 2 Mickey, un Winnie l'ourson et un autre c'est Pudding Pop. Oh, c'est trop rigolo. Donc on va ouvrir ça ensemble. Donc pour ceux qui savent pas, c'est la première fois que Miniso ils font, on va dire quoi, Disney ou Mickey. Voilà, profitez-en, il y a plein de nouveautés qui sont sorties en ce moment chez Miniso, plein de nouveaux arrivages dont les petites figurines et tout. Alors je vais ouvrir la première boîte. Donc il y a écrit Mickey and Friends. Donc vous pouvez avoir l'une des 5 figurines, si je crois bien, derrière. Donc moi ça fait très... Donc vous avez Mickey, vous avez la femme de Mickey, Donald, sa femme et le chien. Bon après moi ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé ça, je ne me rappelle plus les noms. Avertissement, risque d'étouffement, comporte des petites pièces, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Donc comment ça se présente dedans? Donc la figurine elle se présente dedans. Oh c'est trop mignon. Là on a un petit jeton, je sais pas à quoi ça sert le petit jeton, il y a écrit Miniso. Et là on a un petit smiley. Et là on a une petite carte basique, mais je crois que c'est elle qu'on a eue, c'est la femme de Mickey qu'on a eue. On va ouvrir ça de toute façon. Oui, on a eu la femme de Mickey. Oh elle est trop mignonne, regardez, c'est vraiment trop mignon. Mais je sais pas à quoi ça sert le petit jeton qu'il y a. On continue avec Mickey. Donc là on a toujours à peu près la même boîte, et là vous avez soit le choix entre eux ou eux, si je comprends bien. Voyons voir. Alors, qui nous avons? Je regarde pas le petit ticket, le petit papier. Donc, ça se présente comme ça dedans. Alors, déjà, au toucher, je crois qu'on a... Comment il s'appelle? Pluto. Je suis sûre qu'on a le petit chien qui est là. Ou peut-être l'autre. Un des deux, je crois. Voyons voir. Et oui, j'avais raison, un des deux. En fait, quand j'ai touché le paquet, j'avais senti les petites oreilles. Donc, on a Goofy. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais les petites cartes, elles sont très mignonnes. Et oui, je vais récupérer un dedans. Waouh. C'est vraiment trop mignon. Ils sont mat comme ça et tout. Genre, trop, trop beau. On va passer à Winnie l'ourson. Donc on a le choix entre, bon je sais pas les noms, je vais vous les montrer, entre ceux-là ou ceux-là. Donc ça se présente comme ça. Alors au toucher, ça a des oreilles. Déjà ça a des petites oreilles grandes comme ça. Après je sais pas, l'étiquette on va ouvrir direct. Oh. On a... Comment il s'appelle celui-là? Tigrou. Et donc là, vous avez sa petite carte. Trop mignonne. La dernière petite figurine. Vous avez le choix entre ces 5-là. Donc en fait, c'est... Ils changent de couleur ici comme ça. Sinon, vous avez celui-là. Et de ce qu'il fait dessus. Alors déjà... Ok. Je sais lequel j'ai eu. Je pense que j'ai eu celui-là. C'est logique que j'ai eu celui-là. On va regarder. J'avais deviné. Oh, mais il est cute. Non, en plus, j'aurais voulu un petit macaron. C'est plus mignon. Mais là, il est avec une petite fraise. En plus, la fraise, c'est mon fruit préféré. Donc voilà, ça tombe bien. Mais regardez, c'est vraiment trop mignon avec ses petits... Je sais pas, une petite touffe de choux, si on peut appeler ça. On dirait un petit marshmallow là, vraiment trop cute. Et trop cute, c'est vraiment super bien fait.
Voilà, sa petite carte. Voilà, donc recto verso, c'est pareil. Ils m'ont mis une petite tasse. Ça, c'est trop bien, mon père, il est fan de leur tasse. Donc là, c'est la tasse Iron Man. Et je dois vous préciser aussi que ils ont des tasses 3D. Bon, c'est vraiment bien fait. Surtout, n'hésitez pas à aller checker leur page. Ils m'ont mis une petite pochette comme ça. Donc là, il y a écrit Love Life. Ça, il y a du plastique. Ça, c'est bien. Je sais pas ce que je pouvais mettre dedans. Faudrait que je vois qu'est-ce que je pouvais mettre dedans. Et ensuite, ils m'ont mis un petit sac comme ça. Donc j'aime trop cette texture comme ça. Je sais pas si vous voyez ce genre de texture là, tout doux. On a une grande poche avec plein de trucs encore à l'intérieur. Donc ils ont. Ils m'ont mis deux gels. Celui-là, ils sont le pot pourri. C'est une fleur. Et celui-là, ils sont l'océan. Ça sent vraiment la fleur et l'océan. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon celui-là. Ouais, ça sent vraiment bon. Et dedans, vous avez des petites boules bleues. Et là aussi, très cute. Ensuite, on a un shampoing, un de leurs shampoings. Donc ça, c'est le shampoing naturel. Et je sais pas comment ça se dit. Hein. Je vous laisse regarder. Donc c'est à la racine, s'il me semble. D'ailleurs, j'ai fini. Je sais pas si vous avez suivi mes stories Insta et ma dernière vidéo que j'avais fait sur Miniso. J'avais testé leur shampoing, un de leurs shampoings à la fleur, là, le rose, et leur après shampoing. Je les ai vidés. Ils sont vraiment top. Enfin, mes cheveux, ils sont doux. Regardez les wavy que ça me fait. Enfin, non, j'aime beaucoup. Je crois, de toute façon, mon shampoing et mon après-shampoing, je vais faire ce que je veux. Ah oui, ça sent bien la racine, hein. Alors, le truc, il est tout transparent. Donc, il n'y a pas de couleur. Mais ça sent bien la racine. Ça, je vous en dirai des nouvelles. J'ai l'autre aussi à l'orange, je crois, où on pompe le mousse. Donc, voilà. Dernier produit qu'ils m'ont mis, c'est un arôme diffuseur. Donc c'est pour vous mettez dans un diffuseur et comme ça propage l'odeur dans toute votre maison. Ça c'est bien parce que ma mère elle en a un blanc et ça fait de la fumée et tout qui sort un peu comme ça. C'est super stylé donc elle pourra mettre ça. C'est à l'orange. Donc 100 ml. Je mettrai dans ma story Insta. Donc suivez-moi sur Instagram. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'aime toujours autant leur boutique, leurs gadgets, tout ce qu'ils proposent. C'est vraiment pas cher du tout. Et voilà, donc si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas. Il y a un nouvel arrivage qui est arrivé, donc allez voir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.